Bonjour. Je ne me lasse pas hein, de cette intro, hein. Je crois que c'est officiel, c'est la meilleure... c'est le meilleur générique Game Freak qui soit, hein, je pense. Bonjour, comment allez-vous? J'ai une cuillère dans la main. Vous voulez savoir comment cette cuillère est arrivée là? Je crois que j'ai mangé une compote hier. Voilà. Yes. Non, mais je sais que vous me regardez finalement aussi pour mes anecdotes incroyables. Et effectivement, hier, j'ai mangé une compote devant mon ordinateur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jeté la compote, mais la cuillère est encore là. Voilà. Et non, elle n'est plus sucrée, c'est terrible. J'ai aussi un stylo. Alors ce stylo, l'anecdote est un peu plus drôle parce que en fait j'ai écrit une autorisation de sortir parce que je n'ai pas d'imprimante. Donc je me suis écrit une autorisation de sortir pour pouvoir sortir faire des courses, voilà. Hein. Bah c'est à peu près ça hein. Allez, on va commencer du coup. Salut à tous, c'est Fildrong. Bienvenue dans la suite de Pokémon Salty Platinum, ce jeu où on se fait chier dessus. Environ tous les quarts d'heure de jeu, hein, je pense, à peu près. Bon, plutôt toutes les... En vrai, je pense, toutes les 30 minutes, en moyenne, on perd un Pokémon, donc ça doit être à peu près ça. Ah, merci Hérétique pour ce rappel, hein, le Smegma, évidemment, qu'on embrasse. Donc voilà, alors, là, vous allez me dire, mais Fildrong, ta team était morte, tu avais disparu. Mais non, car... Eh oui... J'ai level up ma team et en plus de ce fameux cleaver et du coup magnifique hein, qui était nos survivants. Oh c'est gentil, merci de Cito. Merci beaucoup de Cito. Que je te revois pas de Cito. Merci Tifleuf pour ton sponsor. Alors, du coup, on a évidemment le fameux Cleaver. Hein. Cleaver est dans la place. J'ai entraîné Celebite, ça y est, c'est officiel. J'ai fini enfin par level up Celebite. Voilà, Celebite a rejoint la team. Bon, il a changé de look, hein, vous allez me dire, mais c'est pas moi qui fais les sprites. Hein. Les sprites sont updatés au fur et à mesure, parce que je rappelle que je suis sur une version bêta. Donc du coup, c'est bien, parce qu'il a Laser Glace, Mégaphone, Psycho et Plénitude, et en vrai, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça compense, j'aime bien Psycho, parce que ça compense le fait qu'il a une double faiblesse au type combat. Bon, bref. On a aussi Neo X Dark, hein, qui est, il faut quand même le dire, mon plus grand espoir pour ce Nuzlocke, étant donné que il a le talent Armure Baston qui l'immunise contre les coups critiques. Ce qui veut dire que, à moins que je le mette sur une attaque plante, vu qu'il a une double faiblesse plante évidemment, à moins que je le mette sur une attaque plante, normalement, il devrait pas mourir, à moins que je fasse vraiment le Mongol. Ah oui, moi aussi, Bois. On a aussi magnifique. Oh, il est rouge, on dirait de la barbe à papa. On dirait de la barbe à papa. Ah oui, je rappelle évidemment le bug des 5 minutes. Magnifique, du coup, il a ballon de tonnerre, plénitude et Lilliput. Alors, je lui ai pas mis la Bessitrus, hein, je sais, hein, je l'ai vu dans le chat. Je l'ai vu dans le chat. Enfin, calmez-vous là, ça commence. Ah, c'est pas trop mon genre de jeu. Hein. C'est pas trop mon genre de jeu. Merci beaucoup pour ton nom. Mais voilà. Et évidemment, ah, la star du jour, Ernestine 7. Hein. Je rappelle évidemment que Ernestine 3, Ernestine 4, Ernestine 5 et Ernestine 6 sont morts. Ou alors c'était seulement 4, 5, 6. En tout cas, il y a eu beaucoup de, Nostanfer qui sont morts. Celui-là, c'est le nouveau. Voilà, toujours le même set. Hein. Je veux y croire. Ernestine, tu y arriveras. Donc, du coup, la dernière fois, on avait débloqué les lacs. Du coup, il faut qu'on aille au lac. On va commencer avec le lac du début, bon augure. Magnifique, a plus d'attaque que d'attaque spéciale. Oui, mais il peut pas vraiment se servir de son attaque. Parce qu'il a que des attaques vol en physique. Dans 10 minutes, il meurt. Vous savez que j'ai presque envie de ne pas du tout le jouer pour pas qu'il puisse mourir finalement. Pas oublier la mort d'un Ernestine par épisode en moyenne. Oui, non mais écoute, on parle pas de Ernestine, merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai pas capturé de Pokémon ici parce que
Le lac était fermé au début. Est-ce que vous me confirmez? Ceux qui se rappellent du premier live. Parce que je crois que je vais avoir un Pokémon de zone ici. Bah, de toute façon, ça va être simple. Si c'est un Pokémon niveau 2, ça veut dire que peut-être je l'ai capturé. Si c'est un Pokémon pas niveau 2. Oui, c'est une zone. Ah, voilà, c'est une zone. Lave tes badges. Alors, je vais vous impressionner, mais j'ai lavé mes badges. Avant le live. Vous préférez zone d'eau ou zone pas d'eau? En vrai, on n'a plus beaucoup de Pokémon eau après Kabutops, donc ça vaut peut-être le coup de faire une zone d'eau. Mensonge. Ah, gros type eau, hein. Merci beaucoup, hein. Putain. Sérieux? Aragdo, montre tes badges. Non mais vous me faites pas confiance. Pourquoi vous me faites pas confiance? Je vous dis que j'ai nettoyé mes badges. Pourquoi? Regardez, Aragdo, on va l'appeler badge propre. On va l'appeler badge propre. Badge propre. Mytho. Non mais... Vous voyez bien qu'ils sont propres. Écoutez, moi je vous trouve... Voilà, vous êtes pas très sympa, hein. De type passier. Ouh. Oh, et tout Raptor niveau 60. 230 euros si tu laves pas tes badges. Ah bon? Oh putain, je suis dans la merde. Putain, mais... Oh le... Le bug des 5 minutes, évidemment, hein, qu'on embrasse. Montre. Non, mais attendez... Non, mais... Si je commence à vous montrer mes badges après, vous allez vouloir que je mette les sprites et tout. On peut pas... Oh, il apprend tête de fer. Oui, c'est ce qu'il avait dit. J'avais oublié. Moi aussi, putain. Bah, tête de fer, c'est 100% mieux qu'Eldacy, hein, donc... bah, go. Il y a juste moins de PP. On va voir les badges. Écoutez, je vous montrerai mes badges si nous atteignions les... il faut un objectif de pouce bleu. Putain, ça aurait été stylé, il t'aurait pas en vrai. Oula. Non mais Ernestine ne mourra pas, les mecs. C'est sûr, 100% Ernestine ne mourra pas. Oh là là, la tête de fer, par contre, c'est tellement swag. Montre. Non mais les mecs, vous pouvez pas me demander... Vous pouvez pas demander des choses pareilles. Vous savez que c'est... Oh, des flags! Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut apprendre déflagration? Oh, il peut pas apprendre déflagration, Je chance de fusée, hein. Je chance de... Non, ça, c'est lance-flamme. Je change de sujet. Peut-être que vous allez penser à autre chose. Terrible désillusion. Moi, je veux y croire. Je veux croire que vous avez une mémoire de 2 secondes. Merci pour ton sponsor, mon ami. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi il y a des Pokémon niveau 60? Ah oui, Castorn. Oh, il a vitesse extrême, Castorn, dans cette version. Mes badges sont propres. Mes badges sont propres. Non, mais mes badges, les mecs. Mes badges. Ok, mes badges sont aussi propres que... Mes badges sont aussi propres que... Que cette cuillère. J'ai pas dit que j'avais pas lavé cette cuillère après avoir mangé la compote. Non, vous êtes... Je vous trouve... Non, mais... Parlons d'autre chose. Trouvons-nous un sujet. Et merci beaucoup pour ton don, d'ailleurs, en passant. Non, mais on parle d'autre chose, les mecs. On parle d'autre chose. Là, clairement, je veux dire... le live est moins drôle quand on est obligé de parler de ça. Bon, allez, Ernestine, je veux croire en toi. Ton fond vert. Ah, voilà, parlons de mon fond vert. Fifou, on voit pas tes Pokémon. C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors voilà, va y avoir des combats ici, hein. Ça va être l'enfer, je sens. Bon, vous êtes prêts? Ah non, non, non. Bon, attendez. Zone? Bah oui, mais je crois qu'il n'y a pas de Pokémon. Alors moi, je veux bien zoner, mais... Ah si! Oh!
Tyrannosif. Attends, par contre, ça défonce mon Pokémon. Bon, on va le capturer avec une Quick Ball, hein, on est d'accord. Easy. Oh, on a Tyrannosif, les mecs, potentiellement, là. Oh oui, Tyrannosif! Mais encore une double faiblesse, mais c'est une double faiblesse combat. Ah, on va l'appeler... On va l'appeler... Tout propre. Voilà, ça va être des noms... tout propre, le Tyrannosif. Attendez, tout propre avec... Évidemment... J'ai faim. Bah moi j'ai mangé et du coup ça va bien. Tout propre avec un smiley. Oh mais parfait, tout propre smiley. Oh il a été envoyé dans la boîte mort. Bon, allez, c'est parti les mecs. Bon je suis chaud. Je suis chaud patate. Tous mes Pokémon sont full life. Allez on y va. J'ai trop peur. Mais mes vêtements sont propres, regardez. Coucou Fifou, merci pour tes Poké Live. Tu m'inspires dans mes futures strats plus petites que 31. Regardez, je vous montre mes badges. Regardez. Vous voyez ? Nickel. D'ailleurs, merci beaucoup à celui qui a fait ce magnifique art. J'ai moi en figurine maintenant. Bon, allez, on y va. Fuck. Que ressens-tu? Quelle conviction t'anime? Montre-le-moi en combat. Ah bah dis donc. On les voit pas. C'est pas mon problème si vous voyez pas les badges. Ah il lead avec nos enfer. Bon Larsin. Hein. On a volé la boue noire. Oh c'est tellement le meilleur objet pour nos enfer. Ok. Arnaqué. Non mais les mecs. Vous pouvez pas dire que je vous arnaque. Je vous arnaquerai jamais. Vous devez avoir confiance en moi. Vous devez avoir confiance en moi. Ouh là là. On a les mêmes vitesses d'ailleurs parce que j'ai gagné le speed tie tour 1. Oh il a raté la lame d'air. Quelle différence entre boule noire et les restes? La boule noire ne marche que sur les types poison. Et du coup c'est très très fort en Nuzlocke parce que souvent tu n'as que un reste dans la partie et une boue noire et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir un type poison en Nuzlocke. Ok, Archéodong. Oh mais j'ai magnifique. Les mecs, est-ce que vous sentez que c'est le moment? Allez, magnifique, esquive! Oh, il a mis les pièges de roc. Ok. Donc, Lilliput. Ah là, les gens, ils vont me détester. C'est parti. Ah, ça fait zéro. Plénitude. Oh là là. Cancer, drogue. Ah, il rate ses attaques. Lilliput. Oh, merci beaucoup. Oh là là. Lilliput. Je suis à plus 4 en esquive. Lilliput. Oh là là. Et là, tous les gens dans le chat. Oula. Oh là là. Attendez. What the fuck. Oh, ça suffit, hein. Les crits. Merde. C'est bon, il tente. Non, mais on est bien. Oh là là, la technique. Bah, de toute façon, là, il est bloqué sur. Il a qu'une seule attaque. Oh, je crois qu'il me touche pas, il doit avoir séisme. Oh là là, mais les mecs. On est setup, on est. Oh, et là, on mettrait Baton Pass. Oh là là, mais je vais rouler sur le jeu avec magnifique. Bon, on fera pas ça à chaque fois. Mais c'est vrai que ça fait du bien de le faire de temps en temps, quand même, faut le dire. Ok. On se soigne. Il a plus d'attaque, hein.
il ne touche plus. On est au max en attaque spéciale et on ballon bois. Oh là là, parfait. Magnifique, monte au niveau 76. Créfollet, j'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une balle ombre à plus 6. Oh bah alors, Créfollet. Oh bah, j'entends les rageux dans le chat là. Oh, Fildron, t'es pas en train de perdre un Pokémon par minute? Et non, Kangourex. On est d'accord qu'il y a... Ah si, tous les spectres... Non, Normal Sol se serait immunisé. Oh là là, il rate son bluff. Le sweep de Magnifique, évidemment. Oh là là, Magnifique, beaucoup trop fort. On a volé la boue noire. C'est la première fois en 8 épisodes que ça part bien. Cette game. En vrai, vous savez, on n'avait même pas besoin de Lilliput. Hein. Lilliput ne change rien. On avait juste besoin de placer les... On avait juste besoin... Parce que, de toute manière, regardez, on sweep de toute manière. Hein. Donc, au final, ça changeait pas grand-chose. Ah, il a mis la lame d'air. Ah bah, vraiment, ça a rien changé. Genre, le seul truc qu'on a évité, c'est une gyroballe et un bluff. Ça va. Oh là là, l'histoire se répète. La team Reborn a fait main basse sur le rubis de l'émotion, fait échouer leur plan. La sécurité de la région en dépend. Mais c'était Mars. Du coup, il y a quand même la team Galactique qui est contre la team Reborn. Oh là là, le lore se développe. Oh, regardez comme la team est belle après ce combat de boss. Oh, je suis tellement ému. Ok, il faut qu'on aille à un autre... On va aller au lac de Frimapic. Il a Love Chance. Oui, je sais. Alors, pourquoi j'ai mis Love Chance sur Magnifique? Parce que je pense pas que délestage soit très utile à ce stade-là du jeu. Et Love Chance lui permet d'avoir plus d'XP, parce que je rappelle que c'est un des Pokémon qui demande le plus d'XP dans le jeu. Plus que les... Beaucoup plus que les légendaires. Ah ouais, non, ici, je me méfie, hein. Ah ouais, ici je me méfie, je fuis hein, en général ici. D'ailleurs, maintenant que j'ai la boue noire, maintenant que j'ai volé la boue noire à Ernestine, je pense que je lui... Il faut que je lui enlève l'arcin, j'ai plus besoin de l'arcin. On va lui mettre toxique. Aujourd'hui, moi je le dis les mecs. Qui pense qu'aujourd'hui je vais réussir à ne pas avoir de mort? Ah non, on va mettre provoque pour empêcher les pièges de rock. Coucou Pilgrim, j'adore tes vidéos. Merci Sheldon, merci beaucoup. Qui pense que aujourd'hui j'ai une chance d'avoir zéro mort? Moi je veux y croire, je veux y croire. Ah putain, mais vous êtes tellement négatifs dans le chat. Oh là là, ils sont négatifs dans le chat. Vous inquiétez pas, ma team enfin après avoir perdu une boîte entière de Pokémon. Je sens que nous avons une chance. Personne. Vous êtes pas sympa. Ok. Lac Savoir, zone. Ok. Alors, je vais utiliser un repousse. En vrai, il y a des Pokémon glace, donc c'est pas ouf. En vrai, je crois que je continue les types eau. J'ai besoin de recharger mes types eau. On va utiliser une canne pour avoir une chance d'avoir un nouveau Léviathan. Je rappelle, dans la canne, c'est des chances de Magikarp. Chance de Magikarp dit chance de... Alors lui, on... C'est vrai que la dernière fois que j'avais eu ce Pokémon dans mon équipe, vous pourrez dire ça s'était très mal passé. Mais, je veux y croire. Je veux y croire. C'est la suite de... C'est Brutor Rex 2. Les mecs, le retour de Brutor Rex... Brutor Rex. Attends. Celui-là, il s'appelle Brutor Rex 2. Brutor Rex 2. Voilà. Il s'appelle Brutor Rex 2, celui-là. Les mecs. Brutor Rex 2. Le premier Brutor Rex avait dû... Le premier Brutor Rex, c'était un essai.
C'était un essai raté, le premier Brutorex. Celui-là, c'est différent. Oh, des otariens niveau 50. Ton équipe, ce stream sera magnifique et sans mort. Enfin, enfin, des gens qui ont confiance en moi. Parce que vous avez que... Oh, merci beaucoup de votre soutien. Il doit y avoir une CT là. Oh, des Lipoutou. Attends, en vrai, il y a des Pokémon vénères. Hein. Merci beaucoup pour vos dons. Merci beaucoup. Oh, Blizzard ici. Je veux y croire. Non, mais attendez, on a Blizzard sur. Sur Celebit. Qui a rideau neige. Alerte neige. Ils sont pas capables de faire un quart de ce que tu fais. C'est gentil. Ouais, mais alors par contre, c'est que 5 pp Blizzard. Est-ce que ça vaut le coup, Blizzard? En vrai, l'idée d'avoir Blizzard... Blizzard précision parfaite... Ah, c'est quand même stylé. Hein. En vrai, je pense dans l'aventure, Laser Glass est meilleur. Arrête de pleurer, victime. Ah oui, d'accord, les gens sont gentils, hein. Waouh, lave-toi les mains. Oui, je me lave les mains, vous en faites pas. Oh, Farfuré. Ouais, les PP+, mais même avec les PP+, t'en as pas beaucoup, des PP, t'en as 8. Hein. Alors que si tu donnes des... T'en as 16 avec Laser Glass, c'est quand même différent. Bon, on verra. De toute façon, j'ai la CT maintenant. Attendez, je vais juste checker s'il y a rien à droite. Ok. Bon allez, deuxième combat, je pense. Ok, deuxième combat. Oui, c'est ça, c'est les mecs de la Team Galaxy. Ok, alors on lead avec qui cette fois? Bon, on va essayer de la faire avec d'autres Pokémon. En vrai, Ernestine, c'est notre lead. En vrai, Ernestine, il faudrait que je lui apprenne... il faudrait que Ernestine apprenne demi-tour, en fait. C'est une zone. Ah oui, c'est une zone. Oui, c'est vrai. Bien joué. Oh. Si la miroir magique, en vrai, c'est stylé. Xatu, c'est pas nul, hein. Par contre, il a l'air dur à capturer. Oh, j'ai une chance. Oulala. Là là. Est-ce qu'il va mourir? Là, il meurt, non? Merde. Ah non. Oh, il a magie. Il a magie garde. Il a garde magique. Ça, tu gardes magique. On est dans une grotte, on fait sombre balle. Attendez, c'est Xatu magic garde. Oh. Il a pas pris de dégâts du poison, donc c'est magic garde. Oh là là. Oh, Xatu magic garde. Oh, il faut lui donner un nom. Putain, ça veut dire que si on perd Ernestine, on va enfin sortir de la malédiction d'Ernestine, on pourra mettre Xatu. Attendez, comment on l'appelle? On va l'appeler. Il faut un nom... Ok, Xatu, c'est un Pokémon totem, c'est un Pokémon mystique. Il faut le nom le plus mystique que vous avez jamais entendu. De te passer. Tu t'en fous, suffit de réapprendre ton attaque en CT pour regagner tes PP. C'est vrai. Marcel Pied rejoint la team. Pourquoi Marcel Pied? Là, vous allez me dire, mais fait longue. C'est vrai que ce nom a l'air tellement mythique. Et effectivement, c'est un nom mythique. C'est un nom mythique, Marcel Pied. Mais pourquoi Marcel Pied? Parce qu'il a pas de pied, car c'est un oiseau. Il a des pattes. Et du coup, tu l'appelles Marcel Pied, et justement, là, il te... Là, t'es en mode, tu t'appelles Marcel Pied, et là, il fait, oui. Et après, tu fais, mais tu n'as pas de pied, et là, il dit, oui. Et là, tu fais genre... Et voilà. Et juste pour ça, du coup, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton don. Ok. On valide Ernestine encore, parce que Ernestine, la provoque. Quel est ton but en venant ici? Laisse-moi le deviner en te combattant. C'est parti. Ah oui, d'accord. Bah moi, je m'envole, hein. Ah oui, d'accord.
Bon, est-ce qu'on a la même vitesse? Non, c'est bon, là je suis plus rapide. Donc je vais le two-shot. D'accord. On est d'accord que je suis plus rapide que toi, gars. Oui. Ouh la pute. Il faut que je le... Ouh là là, problème. Ça fait très mal. Oh, j'ai provoque, je me sens tellement beau gosse. Ok. Ernestine, on est d'accord que les coups critiques n'existent pas, les mecs. Non mais, la provoque. Ok. La provoque là, les mecs, en mode... Stratégie. Ok, pas de crit et c'est bon. Oh, il m'a crit. Mais c'est pas possible. Heureusement que j'ai Aquajet. C'est quoi si j'en ai marre? Ça fait 4 semaines de suite que je monte un Ernestine au niveau et ça fait 4 semaines de suite que je me fais niquer quoi. Oh, j'en ai rien à la foutre. Je suis désolé mais là... Ça suffit maintenant hein. Ça suffit, non! Alors là, j'ai aucune. Putain, mais je suis deg! En plus, j'avais eu la boue noire! Oh, il a malédiction lui! Non, mais c'est impossible! Non, mais. Genre. Enfin, ça, en vrai, c'est horriblement saoulant! Est-ce qu'il va vraiment. Bon, je tape, hein, parce qu'il fait très très peur. Hein. A plus 2, ce truc! Oh là là, ça va faire tellement mal. Ouh là, il est à plus 2. Aïe. Magnifique. Encore un crit. Mais non, c'était même pas un crit. Oh, ma team, je vais les manger. Magnifique. Non, c'est Flinch, Lamder, mais putain. J'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus. Je passe des jours à level up mes Pokémon. Je veux plus en parler. Mon dieu. Quel enfer. Mais quel jeu de merde, putain. Exactement 21h30. Mais putain, j'en peux plus. Mon flair. Et on encaisse la quota 1.40 de Ernestine. Bien joué la vie. Oh là 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 là. Oh, il a intimidation ce bâtard, putain. Putain de merde. Ah, la confusion. Vas-y. Machou, bon ça devrait pas faire trop mal, ok. Et je rappelle que je peux pas prendre de coups critiques. Petit passier. Quel bâtard. Les gens qui disent chef, vous rendez compte à quel point vous êtes des enflures. Allez, la confusion là. Voilà. Mais, genre, littéralement, j'ai rien mérité. Qu'est-ce que j'ai fait? Il doit avoir... Ah non, il a intimidation. Mais arrêtez avec les chaises, c'est trop horrible, c'est trop méchant. Du coup, j'avais 5 Pokémon et j'en ai plus que 3, j'en peux plus. Petit passier. Oh là là. Ah non, mais là, c'est pas le coronavirus, c'est l'explosion virus, quoi.
de type passier. Putain de merde. Bientôt assez de Ernestine pour faire une équipe de foot. C'est un peu ça, ouais. De type passier. C'est le premier live qui commence bien. Le karma. Non. Mais j'étais trop en mode, ça y est, on a enfin genre fait un boss sans perdre de Pokémon, mais non, pas du tout. Ah là là. C'est parce que t'as pas lavé tes badges. Putain, ça doit être ça. Oh, et j'ai quand même beaucoup de faiblesse feu là. Non, c'est bon, j'ai une double résistance feu. En vrai, Kabutops, c'est une double résistance feu. Oh, putain, t'inquiète pas, les vrais sont de ton côté. Non, mais ça va, mais c'est juste que voilà quoi, j'en ai marre. En vrai, ce serait pas mal, d'avoir clonage sur lui. Toutes mes condoléances. Oh là 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 là. Créelf. Bon, en vrai, Célébite est pas mal. Bon, il a fait protection. Putain. Non, mais en plus, j'ai un autre boss à faire et cette fois, j'ai plus que deux Pokémon. Oh, mais quel enfer. Mais quel jeu de merde, en vrai, c'est terrible. Hein. Genre, je peux pas. Merci de nous aider à confirmer nos stats. Oh là là. Oh putain, j'en peux plus. Encore un Ernestine. Ce soir, zéro Pokémon ne meurt. Ernestine, j'en peux plus. Il a rien fait celui-là, il a tué un Pokémon. Le R slash crit de l'enfer, j'en peux plus de ce jeu. Il aurait fallu que j'aie armure baston. Oui, mais putain, mais en vrai, armure baston, meilleur talent du jeu. Hein. Oh, putain. C'est parce que tu nous as pas montré tes badges lavés. C'est le karma. Je me fais karmatiser la gueule. C'est mon tour. Ernestine 8. Attendez. Faut que je mette dans les bonnes boîtes. Il y a encore des Ernestines. Quand un Pokémon meurt, le jeu te dit cher. Non mais on va y arriver. Je sens que Ernestine peut le faire. Ok. Regardez le nombre de doigts. Ce fut bref, encore une fois. Oui, je me fais défoncer. Ok. Bon, on va voir un peu ce que ça donne la boîte. Non mais putain de merde. Mais oui. Regardez, il y a des nostanfer partout. 58, 67, 72 et 76. À chaque live, je perds un Pokémon, Ernestine. Oh là là, il est magnifique, qui était supposé nous sauver avec sa technique Lilliput. Et bah, il ne nous a pas sauvé longtemps, hein. Putain. Check les natures de tes zones, oui. Alors, on va voir si ça va être encore des natures de merde. C'est parti. Alors. Lui, ça va. Et lui, ça va. Je suppose que ça va. Putain, c'est abusé. J'ai encore un Pokémon avec une nature... Enfin, franchement, nature modeste sur Infect, c'est chaud, quoi. Putain, j'ai tellement pas de chance, en vrai. C'est insane. Je suis trop dégoûté, en vrai. Oh là là, Marcel Pied va-t-il nous sauver? Il a garde magique, hein, le Marcel Pied, quand même. Il a des bonnes stats aussi, hein, putain. Non, mais moi, je vais y croire. Regardez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le problème, en fait, c'est que... On a trop abusé des Ernestine, mais on a fait Ernestine 3, Ernestine 4, et Ernestine 5 et Ernestine 7. Donc... On n'a pas fait Ernestine 1. Non mais attendez, arrêtez de critiquer. Regardez cet Ernestine. Lui. Ernestine 1. Souhaite-moi la bienvenue dans elle et non. Non. Je veux encore un Ernestine. Je veux réussir ce jeu avec un putain de Nostanfer, ok? Je veux jusqu'au bout. J'y arriverai. Laissez-moi avec mon Nostanfer. C'est le titre du jeu en même temps. Ah putain, je suis deg.
Ernestine niveau 11. Oh, vous inquiétez pas, ça va marcher. Bon, par contre, du coup, maintenant, il nous reste un lac à faire et... Oh, on a plus vol. Ah oui, mais attends. Spécial, c'est sympa. Bah, tir nocif spécial, c'est pas trop nul, mais c'est pas ouf quand même. C'est mieux, tir nocif. Avec accès à l'âme de rock, machouille et tout quand même. Bon, alors, attendez. Il faut qu'on lui apprenne vol. Ah, mais il a déjà vol. J'avais déjà appris vol parce que j'étais dans la merde. C'est tellement triste, ce Nuzlocke. J'ai déjà dû l'utiliser pour avoir vol. Je crois en mon étoile. Voilà. L'important c'est d'y croire. L'important c'est d'aimer. Voilà. Ne l'oubliez jamais. Change la nature de Tyrannosif. Ouais, on est en 4G, mais qu'on peut pas. Hein. Non, mais voilà. Alors, bon, du coup, il faut qu'on aille au lac machin. Vous inquiétez pas. Ernestine's family be like, résiste. Prouve que tu existes. Non, mais un peu en vrai, c'est vrai que c'est un peu triste. Attendez, y'a pas un truc de ouf là? La légende raconte qu'Ernestine 12 survivra jusqu'à la fin. Oh, y'a un truc, mais je sens que je vais me faire bolos. C'est quoi ça? Donne-moi des sous. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Oh, y'a plein de trucs ici. Pierre Soleil. Merci beaucoup pour vos dons, hein. Je suis désolé, hein. J'ai pas le temps de réagir à tout, mais... Ah bah ici, je peux pas. Mais pourtant, j'ai escalade, c'est quoi cette histoire? De Phil Drong utilise Lilliput, c'est super efficace. Je prends toujours mes décisions. Merci tu beaucoup. Tu avais un trop bon début de live, tu étais trop confiant, égal karma, chef. Je me suis fait karmater la gueule, complètement. Je me suis fait karma en 2 secondes. Même le jeu te dit, chef. C'est fou, hein. Ta team a le Kononax virus. Putain, tellement. Bon, il y a une autre zone ici. Bon, cette fois, on peut pas avoir un Pokémon de type O. Vous envoie en justice pour génocide Ernestine. Non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Ok, attends. Ok, on va avoir une zone ici. Et ici, je sens que c'est des super Pokémon de ouf. Ok. Ok, vous êtes prêts, les mecs? Je sens que c'est un super Pokémon. Oui, c'est une zone, je sais. Fatal Food. Oh, ça va peut-être être un Pokémon électrique. Ok. On valide avec... en vrai... C'est parti. Ça t'est déjà arrivé de perdre un Pokémon en off et de faire genre YARU? Bah, je fais que XP mes Pokémon sur des niveaux 30, donc ce serait un peu compliqué. Pas Castorno, putain! Bon, tu me diras, Castorno à vitesse extrême, mais on s'en fout de vitesse extrême dans ce jeu. Oh là là! Castorno, putain! Oh, j'ai cru qu'il avait les rages, j'ai failli me hyper, mais il avait une baie au rond de l'enfer. C'est vrai. Oh, il a croc fatal. Il a malédiction croc fatal. Petit passier. Je suis le streamant décalé. Tu viens de perdre Ernestine 7. Vive. Ah oui, d'accord, tu suis vraiment le streamant décalé. Par contre, il fait un peu peur là. Genre là, je peux perdre un Pokémon en vrai. Si je fais pas attention. Je vais mettre Celebite et je vais l'affaiblir avec des... Ça va faire mal, non? Putain, mais je me suis en train de me faire défoncer ma team par un Castorno. Non, c'est bon. Ok. Puis j'ai les restes aussi. C'est Dieu. Ok, c'est parti. Balle. Allez, Hyper Ball. Ok. Bon, Castorno. Comment on l'appelle? Faut un nom qui va bien à Castorno. C'est genre en mode... Dieu. Dieu. Dieu.
Dieu. Dieu. Dieu truc. Ah ouais, Dieu truc, c'est bien. Parce que ça ressemble à vieux truc en même temps. Donc c'est vieux truc, Dieu truc, tu vois. Il est foufou. Putain, mais j'ai encore une nature de merde. C'est quand même terrible, ça. Il a Damoclès, croc fatal, malédiction. Malédiction, c'est pas si mal, en vrai. Malédiction, extrême vitesse, en vrai, c'est pas con, hein. Bon. Bon, il faut qu'on se soigne à fond, maintenant. Castorno, fatal foudron, natipar pour conquérir le jeu. Yes. Bon, je soigne même deux trucs au cas où on l'utilise. Voilà. Ce serait lui qui aurait envoyé bit en 3 et bit en flat. Non, mais attendez, on n'est pas sûr. Pour l'instant, il n'y a rien de moins sûr. En vrai, s'il a... Attendez, imagine, il lead encore avec Nostanfer. On met ses limites, du coup. En lead. Sinon, on met Neo X-Dark. Mais tellement, mais non, mais c'est abusé les morts. Il y a plus de morts que dans... Ok, attendez, d'abord, il y a le Pokémon de zone. Super. J'espère que Aquajet ne tue pas, mais normalement, ça devrait aller. En vrai, est-ce que j'avais vraiment envie de Celeroc? La réponse est non. Là, vous allez dire, Fildrong, salaud, oui. Non, mais je pensais pas qu'il tankait Aquajet. Merde. Tu veux t'opposer à la Team Reborn? Voyons voir si t'en es capable. Mais du coup, c'est pas la Team Reborn, ça. Oh, il a encore Nostanfer. Ok. Oh, il a fait demi-tour. Attends. Ça va, Rhinastock, c'est rien. Et là, son Rhinastock... Attendez, Rhinastock, Rhinastock Roquebullet, hein. Et là, il a la baie. Non, c'est bon. Oh, imaginez, il avait eu la baie anti-attaque haut. Et là, je le prenais mal. Non, mais Ernestine prend des niveaux, c'est le principal. Regardez, Ernestine niveau 14, niveau 15. Quoi, Tox? Bah, je peux pas l'entraîner là, donc non. J'utiliserai quand je pourrai. Alors, il a une... Quatox, c'est double faiblesse à Psycho. Mais est-ce que je risque l'attaque combat? Est-ce que je risque Celebit? Moi, je pense que c'est le moment où tout le monde doit se battre. On est plus rapide que toi, Quatox, quand même. Je déteste ce jeu. Mais je déteste ce jeu! Mais putain, c'est ce jeu! Et c'est un coup critique en plus! Mais putain! Pourquoi j'ai fait ça? Putain, je suis mongol! Mais je croyais que j'étais plus rapide! D'où Quatox est plus rapide que moi? Je m'en fous, je fais dans Slam. Non, mais il m'a crit en plus là! Je suis sûr que je tankais. Mais regardez, les dégâts sont nuls! Je suis sûr que je tankais! Rhinastock, c'est rien! C'est ce que tu as dit avant de perdre Nicolas. Vous savez, je joue un jeu dangereux parce que s'il a une attaque feu, ce truc, s'il a point de feu, comment je fais? Je suis obligé de prendre des risques. J'ai pas le choix, je suis obligé de prendre des risques, les mecs. Putain, je suis deg. Il est plus rapide que Cleaver. Oh non, il m'a crit. Non, c'est bon. Ça commence à sentir le pourri à côté. Ah ouais, non, mais... De toute manière, c'est les bits, personne les met. Je veux dire, voilà, quoi. On perd les Pokémon nuls. Du coup, j'ai la grêle qui a été posée par c'est les bits. Tu vois, c'est chiant. Au petit Léric, putain. 100%, il a une attaque feu. Bah oui, quel con. Oh. Faut que je mette un... il a genre le combo attaque plante, attaque machin. Putain, je suis deg. Ouais, il était Scarf, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il était Scarf, j'en sais rien. C'est
Je sais pas comment je fais là. S'il a une attaque. Oh, il a canon graine, voilà, voilà. Je crois que j'ai perdu. Je peux pas. Il m'a crit, mais bon. Après, je l'affaiblis avec la graine, je suppose. On va laisser mourir le fan de PDM. Le but, c'est de le tuer avec. Quel enfer, mais ouais, mais quel enfer, putain, ce jeu, quoi. Ils ont des coverages infinis, et moi, je me tape que des Pokémon qui ont des doubles faiblesses. Petit passier. J'avais que des Pokémon avec des doubles faiblesses. Mais non, je l'ai pas cherché, parce que je sais pas si Quatox a des attaques feu. T'es complètement mongol, j'ai aucun Pokémon pour le mettre. Mais putain, mais tellement... Petit passier. Bon, il a une attaque... Quatox n'a pas accès à point de feu dans le jeu normal. Mais on n'est pas dans le jeu normal, bordel de merde. Allez, l'escalade confusion peut-être, ça va passer. Tue-le, tue-le, tue-le. Je déteste ce jeu. Tue pas la grêle. Et je peux pas prendre de crit, hein. Je peux pas prendre de crit, donc je ne peux pas mourir. Non, j'ai pas de potion suffisante. Neo X-Dark peut le faire. J'ai une potion. Mais là, je meurs de la prochaine grêle. Donc, il faut que je me mette une potion max. Je peux pas prendre de coups critiques. Je peux pas prendre de coups critiques. Les trois nous t'en faire. Les boss, c'est obligé. C'est un clin d'œil du mec blasé. Peut-être, ouais. Oh, il a fait hydro. Il a fait hydro canon. Il peut pas me crit. Il peut pas me crit. Putain, les dégâts. Ok, il peut pas me crit. Donc là, on peut le tuer avec vampirisme. Pour récupérer quelques PV. Ernestine, c'est je t'aime, mais c'est pas le moment. Ok. Et là, il a un autre Pokémon plante. Archéodong. Archéodong, ça a pas d'attaque feu, on est d'accord. Ok, il fait ballon, c'est de la merde, ça fait zéro. Il faut qu'on soigne, pour l'éventuel prochain Pokémon, il faut qu'on soigne notre Kabutops, sinon on a aucun switch-in. Faut qu'on achète des potions max, hein. Les hyper potions, ça suffit pas, hein. Ça suffit plus. Explosion type feu. Explosion n'est pas de type feu. Je sais pas où vous avez lu que explosion était de type feu. Explosion n'est pas de type feu. Explosion n'est pas de type feu. Mais où est-ce que vous avez vu explosion de type feu? Qui vous a dit explosion est de type feu, les mecs? Où vous avez vu ça? Dans ce jeu-ci? Non. Non, explosion n'est pas de type feu. Le créateur du jeu vous dit non, vous allez pas dire que le jeu est, que Explosion est de type feu. Mais non, mais c'est Voltorb et Electrode sont de type feu. Mais c'est pas l'attaque Explosion qui est de type feu. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Vous confondez tout. Ne confondez pas tout, les mecs. Explosion n'est pas de type feu dans ce jeu. D'accord? C'est Electrode qui est de type feu, mais c'est pas Explosion qui est de type feu. Crefadet, ça a Fire Blast. Crefadet, ça a des attaques feu. C'est connu, hein. Ok, donc là, normalement, on fait vampirisme. On tank le psycho, on fait vampire. Il peut pas me crit. Ça fait mal, mais ça fait pas si mal que ça. Et le vampirisme devrait mettre à portée de kill. En tout cas, si ça le tue pas. Oh non, il est... Oh non, mais putain, mais j'y crois pas. Il est combat. Il est combat psy. Putain, il a changé les... Quel fils de pute, il a changé les... Il a changé les types des légendaires aussi. Mais d'où il est combat? Mais comment tu peux mettre ce truc type combat? Ou il est fait? Peut-être il est fait. Oh non. Oh putain, le speed up drop. Est-ce qu'on tue avec Aqua Jet?
Est-ce qu'on tue avec Aqua Jet? Parce qu'il a baissé mon attaque spéciale. T'as perdu. Non, j'ai pas perdu, j'ai Aqua Jet. Si c'est fait, va sur Cisa. Mais non, parce qu'il a des attaques feu. Sac fan de PDM. Non, le fan de PDM ne mourra pas. Non, mais en vrai, je pense que je tank. Je pense que... Vampirisme neutre. Attendez. Vampirisme neutre, j'ai mis combien? Attendez, les mecs. Vampirisme neutre, j'ai mis combien? Attendez, attendez. S'il vous plaît. On se concentre. Je regarde les dégâts de vampirisme. Je regarde les dégâts de vampirisme. 3 secondes. Ok, c'est bon. Je regarde les dégâts de vampirisme. Vampirisme a fait... Vampirisme a fait 40%. Et ça a 80 de puissance. Ah non, ça passera pas. Aqua Jet ne passera pas. Et lui, il m'a mis combien avec ses attaques? Psycho m'a fait... Il m'a mis de 239 à 101 points de vie. Donc, 239 à 101, ça fait 138 et 138 fois 1,5. Non, je pense pas que ça passe. Non, il fait 207. Ça veut dire que je suis sûr sur les max, il peut me tuer. Non, je crois que les mecs, je crois que fan de PDM doit mourir. Soigne-toi. Non, j'ai le PDF drop, je peux pas. Fan de PDM, tu peux le faire. Non. Fan de PDM, non. Soigne-toi, tu tankes large. C'était pas sûr que je tanque large. Le fan de PDM. Encore un mort. Un mort. N'ose t'en faire, c'est le dernier poké. Normalement, n'ose t'en faire ne me touche littéralement pas, pour le coup. Genre, n'ose t'en faire, là, même si la machination lame d'air, ça me touche pas. Ok, c'est bon, il est physique, il la rapace. Il peut pas me crit. Il fait 0. Tu as 5 morts. Ouais, je pense que compter... Non mais les mecs, est-ce que finalement compter les morts c'est important? L'important c'est d'aimer, de tout donner. L'important c'est d'y croire. Ernestine va prendre onde folie. Bonne chance à toi dans ta quête, le rubis de volonté est entre les mains de la team Reborn. La team Reborn possède tous les rubis, il faut que tu ailles les battre. Putain, je dois me taper des boss. Aïe, 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 aïe. J'ai plus rien. Non mais on peut encore le faire. Bon, ne regardez pas, les mecs, c'est... JPP. Ah oui, attends, il a un objet, lui. Il a les restes. Au moins, on va pouvoir mettre les restes sur Kabutops, c'est déjà ça. Putain de merde, ce jeu de l'enfer. Merde, attendez, je lui ai pas donné le bon objet. Aïe, 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 aïe. Je tiens le coup, mais... C'est pas facile. Attends, on va voir la boîte mort en deux boss, hein. J'en peux plus. Regardez le nombre de morts de niveau 70, c'est impressionnant, quoi. Oh putain de merde. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que j'ai 5 badges. En vrai, j'ai encore des Pokémon, hein. Heureusement qu'on capture pas mal de Pokémon. Bon, je pense qu'il nous faut il nous faut Tyranocif dans la team, les mecs. Hein.
Bon les mecs, il faut qu'on aille level up au moins infect. Ça devrait pas être trop long parce qu'il est niveau 60. Je suis désolé, mais on va prendre quelques secondes pour le faire parce que là ça va être compliqué sinon. C'est très rapide, il y a une technique extrêmement rapide en fait. On va arriver à on va aller au manoir les mecs. Ça va être rapide. Allez. Faudra juste pas tomber sur des attaques On va aller au manoir, c'est très rapide. Hein. C'est comme ça que j'ai level up mes Pokémon. Vous allez voir, ça va très très vite. Et on peut même farmer de l'argent. Petit passier. J'ai survécu, Chae, fan de Donjon Mystère. Tu vas là. Est-ce qu'on a des bonnes attaques là? On a séisme, on a machoune, on a lame de rock, donc ça devrait aller. Faut 7 tours aujourd'hui, donc du coup. Est-ce que Machu tout? Et Machu tout shot. Oh, il m'a brûlé. Non, mais t'es sérieux? Non, mais. Ma chance? Ma chance de l'enfer du cul de merde? Il m'a fait masse d'os. Il m'a brûlé, le fils de pute! Non, mais. Quelle saloperie ce jeu! Super quoi. Merci jeu de merde. Bon, on refait. Ok. Cette fois on fait séisme. Séisme. Voilà, séisme ça tue. Ok, c'est bon. Non! Je l'ai empêché de level up! Quel connard! Bon, c'est pas grave. Il faut viser 7 tours. Attendez, il faut viser 7 tours. 7 tours, hein. Donc là, on est à 4 tours? Oui, 4 tours. Donc 5. 6. Ah non, ça passera pas. 7. Ok. Le con. Non mais c'est bon. On va avoir notre Tyranocif. Regardez. Pour aller faire les boss. Et... Oh. Oh. Il veut apprendre saisie. Non merci. En plus j'ai eu 7 tours et du coup là je me tape le boss final avec le Lefaurie complètement free. Oh là là, parfait. Ok. Bon là ça va être dur d'avoir les trucs maintenant que j'ai la tempête ça, mais je suis quand même content. Allez. On accélère. Le but c'est pas de farmer de l'argent là, c'est de bourriner. Heureusement que c'est une bonne technique hein, quand même. Hein. Je voudrais au moins le mettre au niveau 70 pour qu'il puisse éventuellement servir en match. Hein. Il va prendre quoi? Oh non, c'est buggé! Oh non, le Pokémon est buggé! Oh non, il est bugué, putain! Oui. Oh non, je me suis fait softlock! Putain, non! Putain, le mec sait pas faire son taf! Oh! C'est bon. Ok, c'est bon. On n'est pas softlock. Faut juste pas qu'on level up et c'est bon. Ok. Bon, on va pas l'utiliser. J'ai pas envie de me faire softlock. Putain. Ah mon dieu. Le mec, il est même pas foutu de checker ses... De checker les movesets des Pokémon. Bon, du coup, on va pas utiliser tout propre.
Ce qui est chiant parce que j'en avais bien besoin, mais bon. Du coup, il faut qu'on aille où maintenant? Arrive à Mars, c'est ça? Et au nord? Non, faut qu'on aille au QG. C'est où déjà le QG? C'est à... Voilà, Rockshrine. Donc on le met dans la boîte pour l'instant. Écoutez, au moins si on perd le Nuzlocke, on aura une nouvelle équipe. On aura une toute nouvelle équipe. Si on perd le Nuzlocke, on aura une toute nouvelle équipe. Mais j'aimerais bien... Putain, on a que... Faudrait qu'on mette au moins des Pokémon qui sont nuls, qu'on peut laisser mourir. Genre Étourmi. Des sacrifices genre Giroud, Marie Salami. Et calmez-vous. Sauvegarde. Tu l'as mis dans les morts. Oui, bah c'est pas grave, je m'en sortirai. Je sauvegarde et il faut que j'achète des potions max. Donc en gros, on a... S'il y a un Pokémon qui a à la fois une attaque feu et une attaque plante, je suis vraiment dans la merde. Faut qu'on aille acheter des potions max. Non mais on s'en fout de l'avoir mis dans les morts, c'est pas grave, ça change rien. Ok, des potions max les mecs. Voilà. Mais je sais que je l'ai... Mais on s'en fout putain, mais vous êtes vraiment des putains de psychorigides certains dans le chat, c'est incroyable putain. Mais vous, si on met pas votre brosse à dents au bon endroit, genre le soir, vous pétez des câbles, on s'en bat les couilles, c'est... Putain de merde, vous êtes vraiment... c'est abusé, on dirait que vous avez 79 ans, quoi. On dirait ma grand-mère qui, si t'as mal rangé ses couverts, elle pète un câble, quoi. Mais franchement, mais calmez-vous, quoi. Vous êtes impressionnant, hein. Les restes. Quoi, les restes? C'est bon, les restes sont là. Ok, allez. Qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas, mais si ça me coûte la game, je vais être énervé. Ok. Alors, il faut qu'on passe par où? Je pense qu'il faut qu'on passe par les... Je vais pas mettre Xatu dans... Alors, je vais pas mettre Xatu dans la team. Pourquoi? Parce que si je mets Xatu dans la team et que je perds, et vu qu'il y a des grandes chances que je perde, je préfère éviter. Voilà. Alors, attendez, par contre, je dois aller où? Je dois aller à l'entrepôt. Sinon qui s'énerve. Enfin, en vrai, c'est un peu saoulant que genre à chaque fois qu'il y a un truc qui est pas parfait, vous... Remets le multi-exp. Ok, il faut remettre le multi-exp. Tu vas parler au mec devant le QG. Ah, d'accord. Je croyais qu'il fallait les clés, c'est pour ça. Bonjour, mec devant le QG. Regarde un peu ses antennes. Hé, joueur de chambre, je te reconnais. Je me souviens très tôt, c'est ta faute s'ils ont fait évoluer mon VGC. Comme est-ce qu'il paraît, les formats VGC sont des un tiers que Melodelf est supérieur à Melofé. Vous vous rendez pas compte, Gardami, c'est divin. Une clé stockage, je suis pas au courant, allez à plus. Ah, ce vil individu, j'en ai en duo, laisse-moi faire, j'ai en position la clé stockage. Allez, on y va. Retrouvons-nous dans le hangar. Retrouvons-nous dans le hangar. Putain, en vrai... Mon seum est... Un mot laissé par terre. J'ai... Voilà la clé stockage. Okay. On se retrouve plus loin. Bon, les mecs, c'est parti. Bon, les sbires, ça devrait aller. Le petit passier. Merci, ils étaient tout morts autour de moi. C'était horrible, émoticônes pleurant. Merci, tout propre, excuse-moi, mais... Allez, c'est parti, c'est le moment. En vrai, il faut pas que je mette le... Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de mettre le multi-exp. Parce que j'ai envie de prendre le... merde, putain, je me... Ok. Concentre-toi. Parce qu'il faut que mes Pokémon prennent le plus de niveau possible. Parce que c'est seulement en ayant de l'avance sur les Pokémon de l'adversaire que je vais pouvoir y arriver. Donc j'ai pas le choix. Il faut que j'enlève le multi-exp. On s'occupera d'Ernestine une autre fois. Je peux pas me permettre. On peut le faire, mais...
Charmillon. Il est type quoi déjà ce truc? Je sais plus. Fée, je crois. Non. T'as des super bonbons. Non, mais les super bonbons, il faut les utiliser. Oh! Les super bonbons, il faut les utiliser au niveau 100, les mecs. Enfin, genre au niveau 90. Parce que là, c'est pas rentable, les super bonbons. C'est autant level up mes Pokémon. Non, non, mais ça rend la suite du live plus dur. Finalement, tous les lives, c'est pareil. Je commence, je suis bien, et puis je finis, je suis dans la merde, dans la sauce. Dans le caca, comme on dit. Allez, un zing. Attendez, c'est quoi zing? Est-ce que ça va me sauver? Est-ce que le zing va me sauver? Défense spéciale. Ah, on met de la défense spéciale à Neox Dark. Cinq morts par live, on n'est pas sorti de l'aubaine. Si je capture 5 nouveaux Pokémon par live, ça va. Allez, j'ai escalade. Ce serait bien d'avoir une attaque avec une précision parfaite, mais escalade, c'est... Oula, Démolos. Bah c'est bon, Démolos, qu'est-ce que j'ai peur? J'étais en mode, comme si j'avais le Cisaiox. Jamais tu tiens 50 minutes. Bah si je tiens pas 50 minutes, ça va être très compliqué. C'est ma seule chance. Je suis un homme de la Team Reborn, mais je n'ai pas de Pokémon. Je suis le sbire des sbires. J'ai toujours pas appris à utiliser les téléporteurs. Oh là là, terrible désillusion, le sbire des sbires. Finalement dans la tourmente. Je suis dans la merde, les mecs. En vrai, la semaine dernière aussi, on était dans la merde. Donc, on a réussi la semaine dernière. Donc, on peut-être le refaire. On a quand même Neo X-Dark qui ne peut pas prendre d'attaque ou critique. Courage, Lipo, tu iras jusqu'au bout. Merci. Je vais essayer. La ligue va être sympa. La ligue va être infâme. Ça fait 4 semaines que tu te dis dans la merde. Bah en même temps, je sais pas si t'as vu la situation dans laquelle je suis. En vrai, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens dans le chat qui auraient perdu le Nuzlocke depuis longtemps. Très honnêtement, hein, je veux pas faire le fou, mais franchement, je m'en sors plutôt pas si mal que ça. J'ai fait quelques conneries. Mais même le Coatox, c'était pas une connerie, parce que je savais pas ce qu'il pouvait avoir pour passer mon Cisaiox. Le chef veut me donner une promotion, je le sens. Super. Bon bah écoutez, hein, ce qu'on voulait éviter tout à l'heure, on l'a. Hein. Le coup de croix qui fait mal. Comment ça va? Pour l'instant, je me suis pas fait mettre KO une fois. Mais, à mon avis, s'il y a une chance que ça arrive, c'est bien aujourd'hui. Très honnêtement, je le vois bien arriver maintenant. Hein, le KO complet, à mon avis, il y a des chances que ça arrive là. Suffit d'une attaque mal placée, d'un setup au moment où je l'attends pas. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai que des Pokémon qui ont des doubles faiblesses, donc je peux pas non plus les placer, en fait. C'est très difficile, parce que c'est des boss, donc forcément qu'il y aura une attaque feu par truc, etc., etc., si vous voulez. Crois au pouvoir de l'amitié. Je crois dans le pouvoir de l'amitié. Là, j'invoque tous les dieux et tous les machins. Qu'il faut prendre le téléporteur. Attends. Parce que je crois qu'il y en a un où t'as des objets. Attends. J'essaie de trouver le cul-de-sac en fait. Ouais, c'était là. Notre QG est une installation moderne. Défense plus. Au dieu du axe.
Écoutez, le dieu du axe n'est pas trop avec moi. Magnéton, putain. Bon, ça va, il n'y a pas PC Feu dans cette version. Et là, Magnéton a obtenu lance-flamme. Ça devrait aller parce que je crois que je le tue avec casse-brique, je fais super mal. Ok, c'est bon. Il te reste beaucoup de zones. Je sais pas, on va voir. Kadabra. Mais quel abruti. Mais quel abruti. Ma main a glissé. Non, en fait, c'était pour récupérer plus de PV parce que je sais que je suis plus rapide, regardez. Du coup, là, je suis plus rapide et voilà. Et là, il a la ceinture force et riposte. Ça va. Ah ben non, mais en fait, je sais pas où je vais. Un CD douteux. Orbe toxique, au cas où je trouve... Bâtiment Reborn de Voilà Rock. Qu'est-ce que j'ai fait de cette clé déjà? Où est-elle passée? Ah bah voilà la clé Reborn. Super, un raccourci. Ah bah attendez, on va en profiter pour aller soigner nos pokés. Parce que j'ai utilisé plein de PP sur Escalade notamment. Et du coup, si j'arrive sur le bot, j'ai la flemme de revenir en arrière. On fait ça vite. Petit passier. J'espère que tu as lavé tes badges à la chute. Bah j'espère, honnêtement j'espère que je souffre au moins pour vous faire oublier le confinement. Parce que franchement, c'est pas facile d'en prendre plein la gueule comme ça. Okay. Vous savez que moi je suis pas hyper bien dans le confinement. Hein. Je suis dans mon 20 mètres carrés, célibataire tout seul. C'est un peu triste hein, ma vie. Pas sortir. Bon, alors c'est vrai que je sors pas énormément de base, mais. Franchement, un peu chiant. Les portes fermées ne s'ouvrent qu'avec une clé spéciale, mais on ne me dit jamais rien. Bonjour. Un jour, je vais rater mon. Un jour, je vais rater mon escalade et je vais mourir. Il y a des promos sur le porno. Tu vois, Mouflaire, typiquement. On est d'accord, ça a des attaques feu. Mais je peux pas savoir s'il en a lui, tu vois. Ça va, il m'a saboté. T'as les gens du live. C'est vrai, j'ai ma communauté qui me tient compagnie en me disant « Chez mon Goldrung ». Vous imaginez, quand on vous sabote, tu perds vraiment l'objet à vie dans le let's play. Je serais énervé. T'as qu'à appeler une escorte. J'avoue, j'aurais dû y penser. Bon, dis donc, ils ont beaucoup de faiblesses à escalade, c'est bien pour l'instant. Oui, alors pour les gens qui veulent savoir quand la ROM sera disponible, pas tout de suite. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais que si on vous la donne maintenant, vous allez, il y en a qui vont la finir en deux jours. Normal, classique. Et à côté de ça, va forcément y avoir des spoils. Et moi, j'ai pas envie de me faire spoil. J'ai envie de découvrir le let's play complètement de zéro. Et c'est pour ça que... Et puis en plus, il y a encore plein de bugs dans la ROM, comme vous avez pu le constater. Donc comme ça, c'est bien, parce que ça permet à MecBlazé de corriger ses bugs. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Frustration. Ah, mais c'est parfait pour moi, frustration, là. Je suis un peu frustré actuellement. Par contre, du coup, j'ai fait tout ça pour rien. Mais je dois aller où? Ça devait être le TP, non? Mais non. Non, le TP, c'était pour revenir en arrière. En bas, peut-être. Non, en bas, c'est de là que je viens. Ah, mais j'avais peut-être pas fait celui-là. Mais si. Et celui-là? Bah non, c'était pas là. C'est rigolo, mais ça... Ah, mais non, maintenant, je peux revenir en arrière. Je suis con. Oui.
Non, j'aimerais bien que ça se finisse pas par un échec, en fait. Confinement 9 mètres carrés, célibataire plus de 4 grammes, avec le wifi du Crous instable. Aïe aïe aïe. Courage. Oui, oui, il faut aller au KG, oui, c'est bon, j'y vais. Si jamais tu perds tous tes Pokémon, tu vas tout refaire. Bah, tant que j'ai des Pokémon dans mes boîtes, le Nuzlocke n'est pas perdu. Le Nuzlocke ne s'arrête que quand t'as plus de Pokémon, finalement. Tu ne perds le Nuzlocke que quand tu décides de le perdre. Haha, j'ai ouvert ta porte. En fait, ils veulent invoquer Arceus pour rendre le jeu impossible. Et je peux faire un combat double, mais franchement, les mecs, je pense que c'est sans doute le pire moment pour se taper un combat double. Donc, parce que j'ai aucune option. Donc on va pas faire de combat double. Non, on va pas faire de combat double, hein, je pense. On va pas faire de combat double. Graiena. Oh là là, en vrai, Hypercutter, c'est stylé sur ce poké, hein. J'empêche à chaque fois les intimidations. Évidemment, c'est moins fort que Technicien, mais je veux dire, quitte à être une alternative. Et là, Migalo, c'est de type feu. En vrai, le problème, c'est que quand t'as des doubles faiblesses et que t'es dans un jeu comme ça, tu peux pas prévoir. Ça se trouve, va y avoir une random attaque feu sur un Pokémon parce que mec blasé s'est dit « Tiens, ce serait une bonne idée que Electrode soit de type feu. » Alors qu'il a aucune logique à être de type feu, il ne flambe pas, le Pokémon. Il n'y a pas de flamme dans Electrode, si vous voulez. Mais il a été mis de type feu. Donc du coup, bah voilà. Du coup, Scizaiox, qui normalement, bah, fait... Electrode lui fait rien. Et bah du coup, bah là, si, en fait. Les types sont random. Oui, c'est parce qu'il explose. Non, mais c'est bon, j'ai compris. J'aime pas ton live. Bon, Ali et Momo, t'aimes peut-être pas mon live. Mais ta mère adore ma queue. Donc tu ferais bien de lui demander où elle est. Spoiler alerte, elle me tient compagnie. Il est relou, lui, là. Ça fait 8 fois que je lis des messages négatifs. Alors, là, il y a un random scientifique qui regarde la télé. Je ne te laissais pas perturber nos recherches. Oh là là, Porygon Z. Oh là là, il a un spécial plus. Bon, ça va, je le tue avec Akojet. Heureusement qu'ils mettent des spéciales plus, les scientifiques. En vrai, les scientifiques, ils te donnent un tour gratuit, donc ça va. Il y a 3 téléporteurs là, alors c'est lequel le bon? Ah, allô? J'ai trouvé le boss, les mecs. Vive Aquajet. En vrai, Aquajet m'aide bien, hein. Très honnêtement. Et un rappel max. Cette blague. Merci pour les rappels max. Je m'en servirai avec plaisir. Jamais, car je n'ai pas le droit. Ok, bon. Les mecs. Les mecs. J'ai que 2 Pokémon pour faire un combat. Bon, je vous demande de m'envoyer de la force, hein. Comme on dit, un Genki-Dama, hein. Moi, je pense, les mecs, qu'on a besoin. Il y a quelque chose que j'avais pas fait encore. Mais je pense que... Je pense qu'on en a besoin. J'en ai besoin, les mecs. Ah bien, challenger, me fais pas perdre de temps et viens te battre. Les mecs, j'ai besoin de votre force. Du. À fond, c'est parti.
En vrai, je tape direct parce que 100% il a un Pokémon de type feu qui va venir derrière. Ok. Allez, l'euphorie est mort. Voilà, Pijako, 100% Pijako, il a canicule. Le problème, c'est que comme je vais devoir switcher à chaque fois, bah... Oh, il a demi-tour, putain. Pijako demi-tour, évidemment. Et Lockpin, il est type combat. C'est vrai. Oh, la confusion, par contre, c'est bien ça. Ok, on est d'accord, Lockpin me touche pas, donc on va se... Ok, il a tenté bluff. On va soigner, on soigne nos Pokémon à chaque fois avec des petites super potions. J'espère qu'il a pas d'attaque feu. Hein. Non, ça va, il a vampi point. Tu peux, genre... être confus une fois dans ta vie ou ça se passe comment? Brick. Ça devrait pas tuer mais faire très très mal. Ok, on tue pas, coup critique, ceinture force. Ok, ça va. Putain, j'aimerais bien avoir pisto point aussi sur lui, mais bon, on peut pas avoir les mecs, mettez des pouces bleus, c'est le moment. Non. C'était une blague, vous êtes pas obligés. C'était en mode pour faire le youtubeur qui demande des pouces bleus à tous les moments. Ok, la case brique qui tue. Pijako, le voilà, Pijako. Ok, donc là on est d'accord, il va refaire demi-tour. Mais, on fait escalade sur le switch. Non, c'est bon. Ok, il fait plus demi-tour. Ok, ça fait mal, mais pas tant que ça. Je me demande s'il n'est pas de choice. En tout cas, il n'avait pas la ceinture force. Bon, et là, c'est avec les moments où on va commencer à sacrifier des pokés. Girafarig. J'espère vraiment que Girafarig n'est pas de type psyphée. Je pense, à mon avis, il doit être psy-ténèbre. Hein. Donc, à mon avis, il doit avoir une double faiblesse. Oh oui, putain. Oh, ça fait tellement mal. Non, il a pas une double faiblesse, mais... Oh, il a raté Exploforce. Tiens, dans ta gueule. Ok. Ixon, c'est double faiblesse. Ixon, c'est double faiblesse. Mais... C'est double. Il faut que je soigne Cleaver. Les mecs, Marie Salami. Je suis désolé, Marie Salami, mais. Le let's play n'est plus une blague, là. On peut plus se permettre de rigoler. On peut plus se permettre d'utiliser des Pokémon nuls. Je n'ai pas le choix. Ok, il a l'orbe flamme. Après, du coup, ça veut dire que je peux le PP stall. Et il y a des bonnes chances que je le dépasse. En vrai, je suis rapide. Et il a une double faiblesse à casse-brique. Ok, il a fait abri. Franchement, pas ouf, tu gères. Non, mais regarde les dégâts qu'il met. Non, regardez. Un crit, là, et je mourrais si je me soignais pas. Donc, les mecs. Ok. Surtout qu'obstruction baisse ma défense, je rappelle. C'est pas si facile que ça, ok. J'étais obligé de laisser mourir Marie Salami. Serfrous. Oh, il est type glace normal. Donc il a une double faiblesse. Serfrous, il a pas d'attaque feu, Serfrous. C'est son dernier poké. Oh, la faiblesse. Oh, ça devrait tuer là. Oh putain. Sauvé par Dududu.
Sauvé par du Dudu. Vous êtes tellement nombreux. Merci. Parfait, parfait, t'es vraiment balèze, ça me plaît. Je vais me retirer pour le moment, à une prochaine fois. Oh mon dieu. On a perdu juste un Pokémon. Oh. Non, c'est pas fini. Oh les mecs, c'est pas fini. Je crois que c'est pas fini. Ah, il doit y avoir un autre combat. Oh oui, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini, les mecs. La phase difficile n'est pas finie. Oh là là, je croyais que... Je croyais que j'étais bien. Non. Et je prends le combat double. Oh non. J'ai marché dedans comme un mongol. Non, qu'est-ce que j'ai fait. Gros tas de morve, Forêtresse, ça va. Focus, le gros tas de morve. Ne laissez pas gros tas de morve ce setup, s'il vous plaît. Ok, ok. Allez, ok, c'est bon, c'est bon. On focus le mec de droite. Forêtresse peut rien me faire. Voilà. Non mais, vas-y, vas-y, Forêtresse. Fais des murs de fer. Pas de problème. Mais arrêtez avec le type feu, putain! Forêtresse n'est pas... L'explosion n'est pas de type feu. Arrêtez 3 secondes, là. Ok, c'est bon. On a un Forêtresse qui fait que des murs de fer. On va mettre une danse lame. Oh putain, les dégâts. Et là, il a Body Press. Imaginez, Body Press existe dans cette version du jeu. Le Big Splash, là. Imaginez, Big Splash existe. J'aurais tellement dans la merde. Il aurait fait Big Splash. Il aurait tué mon Pokémon. Ok, ça devrait aller, là. Enfin, ça devrait aller. Je pense même pas qu'on le tue. Mais... Ah, le crit. Ah bah. Bah après on sait quand même setup, c'est bien. Petit passier. Le Axe n'a pas joué. Le Axe ne joue jamais, mes amis, ne l'oubliez pas. Là j'ai pas fait escalade parce que j'avais peur de miss et que je sais que de toute manière je suis plus rapide. Merci beaucoup pour vos dons. Hein. Je sais que sur ces lives là j'ai moins le temps de vous répondre, mais ça veut pas dire que je ne les apprécie pas et que je ne les entends pas. Ouh. Putain, il fait mal quand même. Ok. Bon, ça aurait été plus simple si j'avais pas fait le fou à faire un combat double. Attendez, il y a le lit. On va récupérer nos PP. On n'est jamais trop sûr. En vrai, le jeu est... Oh, il y avait une poupée dans le... C'est trop mignon. Est-ce que là aussi, il y a un truc? Non. Mais là, il y a un téléporteur. Non, j'ai rien dit. Ok. Donc là, il y a 3 téléporteurs. Vous voulez lequel? 5 ou 6 morts. Pour l'instant, on a 6 morts. Marie Salami est mort, je rappelle. Hein. Ok, donc ça, ça doit être la fin. Encore un combat. Là, il y a des objets. Max Elixir. Ok. Et il reste un truc. Ça doit être pour revenir au début, je pense. Non, protéine. Ok, protéine, c'est l'attaque, c'est ça. Hein. Protéine, c'est bien. Et j'ai une Elemental aussi. C'est quoi, Elemental? Oh, défense P. Allez. Attention à l'explosion de type feu. Merci, les mecs. Ok. Allez, c'est parti. Je suis trop en stress. Les mecs, est-ce que j'ai encore besoin... Est-ce que j'ai besoin encore... de du-du-du? Est-ce que j'ai besoin de du-du-du? Je pense que pour ce combat-là, encore une fois, j'ai besoin de du-du-du. Le dresseur le plus résistant que nous avons jamais affronté. Je sais que ce que tu fais ici, je le sens en toi.
Tu es ici pour nous arrêter. J'ai du mal à voir le but de nos chefs. Ils restent en retrait de nos actions. Ils donnent que des ordres basiques. À croire qu'ils en ont rien à battre du sang et des larmes dans le scénario. Ils doivent se contenter de tes larmes et de ton sel pendant les combats. Enfin bref, ils ont un plan. Je vais leur faire confiance et aller jusqu'au bout. Maintenant que tu es ici, tu vas me désertir? Non. Les mecs, je veux le du le plus fort que vous avez jamais fait. Je n'ai que 2 Pokémon pour battre un boss ultime. C'est parti. Bon, déjà le premier, facile. Spiritomb. Spiritomb, ça a feu follet. Mais on peut soigner le feu follet. On peut dans Slam, je pense. Ok, il me brûle, c'est pas grave, c'est rien. On peut enlever la brûlure, total soin. Ok, il a feu follet plénitude. Bon set de fils de pute. La tête de fer parce que ça peut flinch. Et puis en plus, je crois que je le tue en vrai. Ok, c'est bon, il a fait 2 plénitudes, le bâtard. Et là, il avait prélèvement du destin. Mais non. Ixon. Ixon, ça va. Il me baisse ma défense, donc ça veut dire que je peux pas rester selon le Pokémon qui va venir. Mais là, je le one-shot largement. Ok. Ils sont au niveau 70, les Pokémon, donc ça va. Alligature. Alors, Alligature, je crois que c'est Ténèbres. Je crois que je reste et que je play croix. Cleaver. Voilà, vous cherchez un héros. Vous cherchez un héros. Ce let's play, les mecs, on a longtemps cherché un héros. On a longtemps cherché qui serait le Pokémon de ce let's play. Et enfin, 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 la voilà l'explication. Depuis le début, le sauveur que vous cherchiez, c'était Cleaver. C'était Cleaver, le retour de Cleaver. Le retour après 5 ans presque. Après, ça fait depuis 2016 qu'on n'a pas vu Cleaver. Il revient pour sauver ma game. Et sweep. Complètement clean. Le Tyranocif. Et ainsi... Quand je mets du les mecs, on est pas mal. Tu es coriace, pas de dour. Putain, vous êtes 8500, c'est abusé, les vues qui augmentent à chaque live. Tu tires ton pouvoir de ton amour de tes Pokémon. J'en ai assez vu, je vais aller laisser faire mes compères aux colonnes lance. Si tu souhaites sauver les Pokémon des lacs, emprunte le téléporteur là-bas. J'ai un discours à faire, les mecs. Mes amis. Mes amis. C'est un grand jour qu'aujourd'hui, nous avons vaincu. Nous avons vaincu pas seulement le boss de la Team Reborn. Mais nous avons également vaincu. Nous avons vaincu la malchance et le Ice qui n'a pas joué. Écoutez-moi, mes amis, nous avons vaincu. 20 plus Q égale vaincu. Ok. Oh là là, est-ce qu'il y a encore de la merde? Putain, je suis trop en stress. Ok, attends, on va se soigner dans le doute. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait faire grand chose.
Allô ? Ah putain, et voilà, il y avait quelqu'un. Une prison à Weebs, une odeur de purge s'en dégage. Oh, non mais allez mec, j'en ai marre des boss. Une prison à Jojo Fag, une odeur de merde s'en dégage. Et c'est quoi le dernier ? Une prison à Loli, une odeur de sperme s'en dégage. Ah bah bravo, bah d'accord. Merci beaucoup pour ton don, merci beaucoup pour vos dons. C'est parti. Tu es là, c'est toi que j'ai vu arriver à Mars. Tu me reconnais pas, moi c'est Roswell, j'ai décidé de rejoindre la Team Reborn. Tu veux me défier? Putain, j'en peux plus! J'en peux plus! Les mecs, il faut qu'on remette du. Oh! J'en peux. Il a des oxys! On tape, hein. Mon 100%, il a la ceinture force. En vrai, là, si on veut vraiment bien jouer, on laisse mourir un Pokémon et on Aqua Jet pour le tuer. Comme ça, on prend pas de dégâts sur Cleaver. Je pense qu'il faut se concentrer. Ouais, il est à Wrestle. Allez, au revoir, calmez-vous. On se rappellera de toi, évidemment. Ok. Est-ce qu'on en aura fini à un moment? Kaorin! Kaorin, ça a pas d'attaque feu. Il va mettre les 100%, il va essayer de mettre les. En vrai, faut taper. Hein. Je pense qu'on tue avec Plécroix. Oh, on est un putain de Cisaiox. Non, putain. Oh, c'est bon, il a fait Télion et Force. Merci beaucoup pour vos dons. Pour votre soutien. L'important, c'est qu'il mette pas ses pièges de roc en vrai. L'important, c'est qu'il mette pas ses pièges de roc. Parce que les pièges de roc me font chier. Allez, Cleaver, tu peux le faire. Est-ce que Cleaver va le refaire? Lipoutou. Pour l'instant, Cleaver le refait. Cleaver inarrêtable. Mais putain, mais ils ont tous des putains de ceinture force, c'est chiant. C'est trop drôle de mettre des ceintures force sur tous les pokés du jeu ou quoi là? C'est quoi cette merde? Ouais, c'est bon, il a raté Explode Force. Ok. Merci beaucoup. Oh, voilà le Deoxys. Ok, bon. Alors, Deoxys, ça a point de feu. Donc, on va checker c'est quoi ses attaques pour me taper. Donc, du coup, Giroud, je suis désolé, tu es le dernier sacrifice. Je veux checker s'il a une attaque feu. Je peux faire rugissement. C'est bon, il a psycho. Alors, est-ce que on va avoir une troisième ceinture force? Oh, ce serait drôle. Non, c'est bon. Giroud! Et encore un Deoxys. Ouais, en vrai, il faut y aller. Hein. Oh putain, c'est Deoxys attaque. Non, c'est Deoxys, je sais pas. Il a Vampipoint en tout cas. C'est Deoxys quoi ça? Je fais pas la différence. Le premier c'était Deoxys attaque, non? Le mec avait 3 Deoxys, putain! Il a 3 légendaires! Heureusement on a Cisaiox. Hein. Oh, Culbutoke. En vrai, Culbutoke. Ok. Culbutoke, c'est pas dur. On danse l'âme. Il peut pas te toucher, il peut pas te toucher. Tu danses l'âme pour juste qu'il puisse pas te tuer. Oh putain, j'ai trop peur. Les mecs, j'ai tellement peur. J'ai trop peur de la... Je peux plus switcher, je crois. Je suis obligé de le one-shot. S'il a la ceinture force, les mecs. S'il a la ceinture force.
peux le pépé stall, hein. S'il a la ceinture forte, je peux pépé stall Il l'a. 100% il l'a. Non. Je peux le pépé stall. Ça a combien de... Riposte, ça a combien de pépé? Counter. Counter, c'est 20. Il a l'air de faire un coup riposte, un coup voile miroir, regardez. Ok, et là il va faire... Attendez, est-ce qu'il refait... Ok, il fait un coup riposte, un coup voile miroir, les mecs, regardez. Il a fait frappe Atlas. Bon, ça veut dire qu'il a pas prélèvement du destin. Essaye le flinch. Oh, il avait pas la ceinture force. Fais des switch. Je pouvais pas, il a... Je pouvais pas faire de switch, il a Marcombre. J'ai perdu. Ah ben oui, j'ai perdu, mais je n'ai aucun regret. Cleaver, le sauveur. Oh. J'ai libéré les Pokémon. Tu te demandes ce qui s'est passé, pour ainsi dire, absolument rien. Enfin, techniquement, si tu as fait avancer les scénarios, les chefs ont fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux dérobés aux trois Pokémon. Le dernier défi est en place. Prochaine étape, les colonnes lance. S'il vous plaît, arrêtez les boss, j'en peux plus. Mes nerfs vont craquer. Je crois que j'ai fini en vrai. Ah, la musique. Bon bah écoutez, on a des nouveaux morts. Mettez des cœurs quand même à Marie Salami et compagnie. On a rempli la boîte morte. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon alors attendez, on va faire un truc. Va y avoir la boîte mort et la boîte sacrifice. Ça, c'est la boîte... boîte des sacrifices. Donc, en gros, les sacrifices, c'est les Pokémon de bas niveau qu'on laisse mourir. Voilà. Avec un S pour que ça sonne. Ok, donc en gros, t'as la boîte mort et t'as la boîte sacrifice. Voilà. Regardez. Donc. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte des Pokémon qui ne faisait pas partie de mon équipe, que j'ai laissé mourir. Pour le bien de mon Nuzlocke. Et ils ont sauvé. Donc, continuez de mettre des cœurs parce que, franchement. Regardez. Sans Zizi Acier, le Nuzlocke serait fichu. Non mais attends, mais on en a laissé mourir tellement. Brutorex. John, putain, c'est trop triste. Ok. John, Trioku, il était mort pareil en sacrifice. Et, trop facile, ainsi que le Tentacool. Je me rappelais même pas de Plutôt Call, mais voilà, maintenant, voilà. Voilà. Voilà, et le reste, c'est des morts qui faisaient vraiment partie de notre équipe. Bankodrong, je sais plus, je me rappelle même plus de ce truc. Ah non, attendez, Puciole, c'est un sacrifice aussi. Vous vous rappelez de Bankodrong si c'était un sacrifice? En vrai, ça m'étonnerait que j'ai utilisé, à mon avis, c'est un sacrifice. Oh là là, regardez, ça y est. Regardez, regardez comme notre boîte est belle. Notre boîte de mort. Là, on peut refaire toute l'histoire du Nuzlocke. Regardez ça. John Salami. Usain Bolt. On a même les Ernestines dans le bon ordre. Alors, c'est parfait. Hop. Putain, Canapé. Si Canapé avait survécu en vrai.
On aurait été tellement mieux qu'Aibitus. Ernestine 5. Pic toxique. Là on arrive sur des Pokémon qui sont morts récemment. Hein. Non mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment mortel. Mais ah mon dieu, j'y crois pas. Regardez le nombre de morts. Bon, tout propre, il faut que tu aies un meilleur boss. Voilà, on va partir là-dessus là. On va partir sur cette team. Ernestine, je sens qu'Ernestine survivra. Rassurez-vous, Ernestine survivra. Je veux y croire. Ok, alors on doit aller où maintenant? Au Colonne Lance. Brutorex n'était pas un sacrifice. Oui, mais il est mort un peu pareil, tu vois. Alors, multi-exp. Sur Ernestine. Les colonnes lances, c'est où? L'Is de la Vallée, c'est au nord de Rivamar? Non, c'est le seul endroit hein, qui nous reste. Hein. Ah bah oui, parce qu'il faut qu'on fasse cascade. Ah mais j'ai plus surf. Ah non, c'est pas par là? À Charbourg. Ah, c'est le Mont Couronné! Oh là là! Il faut que je fasse le Mont Couronné! Ok. Eh ben, on va y aller. Range des morts. Abat ses fées. C'est par là, non? Ouais, Mont Couronné. Attendez, il y a un truc là, si je fais surf. T'as besoin de surf. Oh, il m'a manié piège, l'enfoiré. Bon. Non, mais ça suffit maintenant, s'il vous plaît. Oui, du coup, il faut que j'aille chercher surf, je suis trop con. Bah. Je pourrais apprendre surf à Tyranocif Modeste. Il a ultra laser de type électrique, donc autant avoir surf. Hein. Bon, ils sont chiants les Pokémon qui peuvent. Oh, encore une protéine. Ça pour un max repousse. Utilise un max repousse, oui c'est vrai. Oh une aile force. Non mais c'est bien là, regardez, on est en train de se pépé préparer là. Je sais pas trop où je vais. Là c'est la zone escalade donc. Le Mont Corona. Pas mal. Rappel max. C'est une nouvelle zone ici? Ah bon? Oh la poudre claire! Oh là là, mais je pourrais jouer avec poudre claire. Pour Axe. C'est une zone ici? Non mais Mongolman. Mais non, c'est pas une zone. Non, c'est pas une zone. Qu'est-ce que vous racontez? Oh! Mais je suis au bon endroit, là? Ou c'est... Je crois que c'est du contenu post-game, ici, non? Pas trop. On va voir. Par là.
Non, ici c'était le machin, j'y suis allé. Ensuite, c'était à droite, voilà, c'est ça. Ah oui, mais non, je peux pas y aller ici, donc c'est... Oh non, il y a Belladoni, c'est bien là. Regarde-moi un peu ce trou. Avant, il y avait un mur avec une pioture rupestre bloquant l'entrée au sommet. Le mur a disparu, il a été brisé. Depuis que 3 Pokémon lacustres ont été capturés, je ne sais pas de quoi ils retournent au juste, mais quelque chose de terrible est en train de se produire. Il n'existe qu'un seul responsable, la Team Reborn. Nous ne pouvons plus faire marche arrière autant avancer. Je l'ai trouvé au cours d'une enquête. Une flûte noire, c'est quoi une flûte noire? Non mais... Ah mais si je peux passer? Oh là là, je peux passer. C'est quoi la flûte noire? Les notes. Oh, j'ai trop peur. Oh non mais c'est un pu... Oh là là, il y a la team Renaissance là. Les mecs, je suis pas prêt là. Non mais attendez, je suis pas prêt là à faire le truc. Ça, Nidorina c'est nul. Enfin nul. Ça va être très long. Bah je pense que on va faire quelques dresseurs et on va. Il nous faut une nouvelle team en fait. Il nous faut notre team là. Il nous faut notre Tyranocif. Il faut que mec blasé répare le move pool de Tyranocif. Bon ça va. On... Qui a un Nidorina niveau 63? Tu peux faire la zone dehors. Oui c'est ça, on va capturer un nouveau Pokémon de zone. Il y a une zone là. C'est une zone ça non? Parce que j'ai jamais rencontré de Pokémon niveau 60. Est-ce que c'est une zone? Parce que moi je veux bien un Ernestine 9. J'attends que mec blasé me dise si c'est zone ou pas. Non c'est pas une zone. Ah. Terrible désillusion. Ce n'était pas. Ouais, c'est le Mont Couronné. Ouais, c'est vrai. C'est des zones intermédiaires. Prends 6 Pokémon la semaine prochaine. Mais je peux pas, parce que de toute manière, mes Pokémon se font bolos, donc... Ça change rien. Bon, ça va, ils ont des Pokémon de merde. Hein. Ah, quoi? Ah oui, c'est vrai, il est électrique, lui, alors ne me demandez pas pourquoi. Mélocric et insecte électrique. Est-ce qu'il y aurait une rediff? Oui, le truc sera en ligne directement, là. T'avais pas 100 000 abonnés il y a peu? 100 000 abonnés, c'était... fin 2017 que je les avais atteints, je crois. Donc non. Ernestine va prendre tranchère. Merci Ernestine de participer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Ernestine. Ah voilà, il y a une nouvelle zone. Ok, mon couronne pique. Ok. Donc on va capturer le Pokémon de zone ici. Oh, la musique est trop cool en plus. Alors, vous êtes prêts? Dernier Pokémon de zone pour aujourd'hui. Et peut-être qu'on va le mettre dans l'équipe s'il est bien. Attention! Allô? Ah, voilà. Je sais pas si ça m'intéresse au Nidalee en vrai. Hein. Chez. Bah non, pas chez, mais. Petit passier. Oh bah parfait. Il a tanké avec un point de vie. Merci. Merci beaucoup. Il est peut-être buff. Oui, c'est vrai. Ball. Hyper ball. Ouais, mais le problème, c'est au Nidalee en fait, même buff, ça reste un type glace pur. C'est vraiment pas ouf quoi. Glace pure, c'est... Enfin, le type est pas intéressant en Nuzlocke, quoi. On va l'appeler...
Qu'est-ce qu'il y a de très moyen? C'est quoi le truc le plus moyen? Genre bof. Tu te dis juste bof. Mais pas un truc nul, hein, un truc bof. Le Moyen-Âge. Glace au café. Putain, ouais, une glace au café, ouais. Ouais, glace au café, c'est pas mal, hein. Glace café, c'est pas mal. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Glace café. Il a tanké avec 2 PV. Hein. Il a une nature gentille. La nature la plus osef du jeu. Hein. Il a brise-moule. Tu me diras, on pourrait le faire évoluer en... Comment on fait des Frostlass déjà? Bon allez, on va voler à Charbourg et sauvegarder parce qu'il faut que j'entraîne mon équipe de toute manière. Bon les mecs, merci à tous d'avoir regardé ce live. Vous étiez encore tellement nombreux pour me voir galérer. C'est abusé franchement. Je vous fais des monstres de bisous. Encore une fois, bonne chance dans votre difficulté de confinement. Hein, je pense. Mais au moins, on est tous dans le même cas, donc c'est ce qu'on peut se dire. Bon courage. Je vous fais des bisous. On se retrouve lundi prochain pour la suite du Nuzlocke Pokémon Salty Platinum. Avec une nouvelle équipe, encore une fois, en tout cas des nouveaux Pokémon. Mais il y a quand même eu 2 survivants de... Cleaver est là depuis longtemps. Cleaver est là depuis longtemps, donc Cleaver quand même, voilà. C'est un peu le survivant, The Survivor. Voilà. Et du coup, à part ça, demain, il y aura du ladder avec Rédemption. Ça vous avait beaucoup plu la semaine dernière, donc on va en refaire. À 21h, du coup. Et est-ce que je fais un live Twitch? Franchement, je suis un peu crevé, donc je vais me poser là ce soir. Je ferai sûrement un live Twitch mercredi soir, si ça vous intéresse. Donc voilà. En ce moment, je joue pas mal à TFT, donc je ferai sûrement un live TFT mercredi soir. Je vous embrasse, les mecs. Veillez sur vous, veillez sur vos proches. Bon courage. À la semaine prochaine. Petit passier. Oh ! Merci pour ton don. J'aime me présenter. Je m'appelle...